contact. D'abord, nous sommes très heureux d'être encore une fois de plus à Saint-Louis. Mmh. Aujourd'hui, il y a une fête visée partout, en tout cas pour tous les Sénégalais et même au-delà. Mmh. Oui, nous célébrons aujourd'hui la 3e édition du trophée du Premier ministre, Monsieur Mohamed Abdoulaye John. Mmh. Alors, à qui nous rendons déjà un très vibrant remerciement d'avoir accepté de se parrainer cette grande journée aussi importante pour nous à Saint-Louis. Je voulais aussi marquer encore dans le cadre, qui rentre aussi dans le cadre de nos activités sportives de développement du Canaé au Sénégal, dont Saint-Louis en fait partie dans le cadre du programme. Parce que Saint-Louis d'abord dispose de beaucoup de possibilités sur le plan hydraulique et sur le plan des installations naturelles. Aussi, nous sommes aujourd'hui dans quatre régions fondamentales sur le plan du développement national. C'est vrai que nous n'avons pas encore, accomplir notre mission réellement, jusqu'à aller au-delà de ces quatre régions, pour plusieurs raisons d'abord. Il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect de développement du matériel qui tarde encore à décoller, certainement. Mais aussi, il y a aussi que, par exemple, nous ne sommes pas obligés d'aller dans toutes les régions, parce que ce n'est pas que toutes les régions bénéficient en tout cas des installations complexes comme Saint-Louis du Sénégal. Alors c'est pour ces raisons-là, mais je pense que nous avons un plan qui nous permettra encore d'ici encore 2020, après la construction des bateaux que nous allons construire à partir de Dakar, à partir du Sénégal, j'allais dire, de pouvoir quand même aller au-delà de Dakar, de Saumon, ou en tout cas de la zone du fleuve, de Saint-Louis particulièrement. Donc tout cela, si nous arrivons à arriver, je crois que cela, nous pouvons en tout cas vraiment atteindre le niveau au niveau national. Mais nous avons aussi un niveau très intéressant, en tout cas au point de vue africain, parce que sachez, pour votre information, le canoë aussi est le 3e pays africain, après l'Afrique du Sud et la Tunisie. Donc sur ce plan-là aussi, je crois que nos jeunes Sénégalais ont fait beaucoup de progression depuis presque 2000. Nous ne cessons pas de monter en tout cas sur le podium africain. Je suis le directeur technique régional de la Ligue régionale de canoë. On a une cinquantaine de gosses, au début on avait commencé avec 150 gosses, mais vous voyez donc à chaque fois qu'on s'entraîne, les gens se diminuent, les gosses diminuent. Bon, certains sont pris par le temps, certains ce sont des pêcheurs, etc. Mais de toute façon, actuellement, nous avons une cinquantaine quand même de licenciés.